Salut les gens. Alors, on va faire un petit point, si vous voulez bien. J'ai le soleil de face, tant pis. Ça fait à peu près une semaine et demie que je roule avec ça. Une gyro-roue, une mono-roue, appelez ça comme vous voulez. Gyropode aussi. À raison de une heure par jour. Avant toute chose, on va déjà parler pourquoi j'ai pris ce que d'aucuns appellent un gadget pour bobo. Alors qu'ici on est à la campagne quand même un peu. En fait, j'ai la chance de travailler à peine 5 km de chez moi. 4,5 km exactement. Et le problème, c'est que c'est trop près ou trop loin. Trop près pour y aller en voiture. Trop loin pour y aller à pied. Enfin, pour moi en tout cas. Une heure de marche n'a jamais tué personne, mais une heure de marche aller, une heure de marche retour tous les jours, c'est pas le pied. Reste la solution du vélo. Avant ça, j'avais pensé à la moto. La moto, c'est le même problème que la voiture. Il n'y a pas assez de kilomètres, mais tant que la moto chauffe, je suis arrivé. Et 5 km aller, 5 km retour tous les jours, ça va pas l'arranger. Plus de ça, donc achat, assurance, entretien, c'est pas ce qu'il y a de plus rentable. J'ajoute avant d'aller plus loin que aucune démarche écologique de ma part. C'est pas une histoire de dire je fais du bien à la planète, c'est pas le fond de ma pensée. Même s'il faut y faire attention. Donc il y a le vélo, ce que je fais depuis quelques mois déjà. Depuis le mois de mars, donc juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. 7-8 mois, on va dire. Je vous laisse compter. Le problème du vélo, c'est que quand vous arrivez au bureau le matin, vous êtes un peu liquide. Surtout moi qui, même si je ne roule pas vite, il faut que j'appuie quand même à la tête façon sur un vélo. Donc voilà, vous arrivez, vous transpirez de partout, vous êtes un peu gluant pour dire bonjour aux gens. Il faudra se changer, il faudra prendre une douche et pas forcément ce qu'il faut. Alors, d'aucuns diront que j'aurais pu prendre un vélo électrique pour remplacer. Mais moi, j'ai toujours fait du vélo en pédalant. Et le vélo électrique, j'irais pas jusqu'à dire que pour moi c'est contre nature. Mais je sais pas, ça va pas. Vélo et électrique, ça va pas. C'est ou tu fais du vélo ou tu fais du scooter. Quoi. Pour moi, c'est pas la même chose. Et puis est arrivé ces engins. Les engins électriques. Alors forcément, il y avait les patinettes, les segways, les choses comme ça. Quand j'y ai pensé, il y a 3-4 mois, disons 3 mois, allez. J'ai trouvé les roues parce que ça me semblait intéressant. Au début, tout le monde pensait que ça ne roulait qu'en ville sur des beaux trottoirs. Et je me suis aperçu que de plus en plus, ça se développait et que les gens faisaient de la randonnée avec. Et de la randonnée au long cours. Hein. Il y a le fameux facteur Hugo Bibron, je crois qu'il s'appelle, qui lui a réussi à faire des randonnées de la Hollande jusqu'aux Pyrénées, du Finistère jusqu'à Paris. Et ça m'a interpellé parce qu'en plus, en regardant les différentes vidéos, on voit que les gars, ils roulent sur tous les terrains. Quoi. Forcément, les trottoirs, les pistes cyclables, mais aussi quand il n'y a rien de tout ça, les routes. Et des chemins de forêt, des chemins de campagne. Et moi, pour aller à mon taf, j'ai donc 4,5 km, mais sur les 4,5 km, j'ai trouvé un cheminement par la forêt qui fait que sur les 4,5 km, j'en ai au moins deux où j'ai des chemins de forêt. Donc, voilà, c'était dans le domaine du possible, et puis franchement, l'expérience me tombait bien parce que c'est un petit côté fun quand même. Alors, effectivement, au début, c'est pas évident. Vous avez vu la vidéo que j'ai mis la dernière fois, qui doit se... Peut-être à l'heure. Je vais la mettre là.
effectivement, les premiers tours de roue, c'est un peu particulier. J'ai acheté ma roue à Paris. Heureusement, j'avais pris une demi-heure de cours avec un professionnel qui m'a donné vraiment des bonnes bases. Ce que je conseille, c'est de démarrer comme ça. Au moins, au minimum une demi-heure pour qu'on vous donne les bonnes bases. Démarrer tout seul, je pense que ça aurait été beaucoup, beaucoup plus compliqué. On a beau regarder des tutos, des vidéos, des choses comme ça. À mon avis, prenez une demi-heure. Prenez une demi-heure. C'est déjà pas mal. Et donc voilà ma réflexion. Et là, donc ça fait une semaine et demie que j'en fais une heure par jour. Et ce qu'il y a de bien, c'est que tous les jours, il y a quelque chose de mieux. Au début, vous vous dites, mais qu'est-ce que j'ai fait comme connerie d'acheter ça? Et puis vous commencez à faire quelques mètres sans vous tenir. Bon, les bras me jouent beaucoup. Quelques mètres sans se tenir, quelques dizaines de mètres sans se tenir. Et puis après, vous trouvez le moyen de vous arrêter sans trop... Vous trouvez le moyen de vous arrêter sans trop de bobos, parce que de toute façon, on vous a donné les bases, on vous a expliqué comment. Et donc vous tournez la roue, ou vous la tournez pas, mais vous retournez pour faire demi-tour. Et puis après, vous vous dites, ça serait quand même bien de réussir à faire des courbes. Vous commencez à faire des courbes. Curieusement, on a l'impression que d'un côté, c'est plus facile que l'autre. Et puis voilà, et puis après vous entraînez à démarrer tout seul sans appui. Au début vous n'y arrivez pas, vous transpirez comme c'est pas possible. Vous vous dites j'ai pris ça pour transpirer moins que dans le vélo, mais je transpire encore plus que le vélo. Et c'est vrai qu'au début c'est quand même physiquement c'est assez dur. Et puis plus ça va, plus vous arrivez à démarrer tout seul, vous prenez des courbes. Et puis vous transpirez moins parce que vous montez, allez on va dire 8 fois sur 10 vous arrivez à monter dessus. Et puis après vient les autres questions. Ah oui, mais si je dois faire demi-tour, comment je fais? Et si je dois monter pas un trottoir complet, mais un bateau, est-ce que ça monte? Et puis là, tous les jours, vous entraînez. Un coup des virages, un coup des freinages. Là, j'en suis à avoir monté quelques bateaux, quelques dos d'âne. J'ai encore quelques essais à faire sur des pentes, des choses comme ça. Mais là, je commence à me sentir vraiment bien sur la machine. C'est un régal. Donc ça monte en pointe débridée, ça monte à 30 km/h. Moi pour l'instant je la fais sonner parce qu'on peut régler quelques paramètres. Je la fais sonner à 18, c'est mon allure moyenne en vélo. Comme ça me donne une bonne indication. Pour ce qui est des chutes, honnêtement, au tout début, il n'y en a pas. Enfin moi j'en ai pas eu depuis. La roue tombe. Ça c'est une évidence qu'elle tombe, elle va tomber, elle tombera. Vous, au début, vous n'allez pas assez vite pour tomber. Quand vous voyez que les choses vont mal, comme vous roulez à l'allure d'un piéton ou au pire d'un jogger, c'est pas compliqué à se rattraper. La roue, elle, après, elle vit sa vie, elle tombe. Mais pour l'instant, vous ne tomberez pas. À mon avis, les gamelles, ça vient quand vous sentez que vous commencez à savoir en faire. C'est-à-dire un peu plus vite. Et c'est là le danger. Donc moi pour apprendre, je n'ai pris que des protège-poignets, ni genouillère, ni coudière, ni casque. Et franchement, je ne regrette pas, parce que je vous l'ai dit, même mes protège-poignets ils sont usés, mais c'est pas parce qu'ils ont frotté nulle part, c'est parce que voilà, je laisse très bien. Et par contre, j'espère que d'ici 2-3 jours, je vais pouvoir faire mon premier trajet au travail. Et là par contre j'ai acheté une petite chose, un casque, parce que je risque d'être avec des voitures. La bête. Donc toc, j'ai l'air d'un coureur comme ça. Et puis j'aurais même plus besoin de route. Hein, parce que la route, là où je n'ai pas besoin de route. Ciao. Je m'aperçois que j'ai oublié de vous la montrer un peu plus en détail cette roue. Là pour l'instant elle est protégée avec le haut d'une combinaison de plongée. On est au prenne, donc elle fait 2,5 mm d'épaisseur. Donc plié en deux ça fait 5 mm tout autour. Au début on a besoin quand même. Mais de toute façon après elle s'en prendra d'autres. Alors, on verra la suite de toute façon. Alors, voilà.
Alors, il n'y a pas de devant, il n'y a pas de derrière. Les marchepieds. Petit peu de rembourrage. Assez rigide quand même. Allumage. Là, c'est la charge de la batterie. Plus c'est chargé, plus ça va haut. Moins c'est chargé, plus ça va bas. C'est réglé autrement, mais grâce à une application sur votre sur un smartphone, vous pouvez régler les loupiottes, vous pouvez écouter votre musique tout en roulant, c'est un peu too much, moi j'ai arrêté tout ça. Par contre, c'est intéressant, c'est que, alors, que je vous montre ça. Voilà, de l'autre côté, parce que j'ai un petit souci qui va être réglé rapidement. Alors, en fonction du sens, feu rouge, feu blanc. La même chose de l'autre côté, quand ça marche, donc ça va se régler. Et si vous avez à la transporter dans les transports en commun par exemple, ou même sur un trottoir où c'est pas possible de rouler dessus, vous avez ceci, vous la laissez allumer et vous forcez pas pour la pousser. Voilà l'engin. Donc après avec votre application de smartphone, vous pouvez voir kilomètres parcourus. Pour l'instant, j'en suis à peu près une quarantaine de kilomètres en une semaine. Vous pouvez régler certains détails comme des bips d'avertissement pour les différentes vitesses à laquelle elle va. Moi, je l'ai mis donc à 18. Je crois que j'avais dit tout à l'heure, peut-être. J'ai réglé ça à 18 km/h. Vous voyez votre vitesse moyenne, plein de paramètres comme ça. Le kilomètre heure en temps réel, la charge de la batterie, mais bon, pour l'instant, il faudrait pouvoir lire ça. Faudrait pouvoir lire ça en roulant, mais j'en suis pas encore à faire ce que je veux de mes yeux quand je roule. Je préfère regarder devant pour l'instant, mais c'est pareil, ça viendra avec le kilomètre. Et puis voilà, vous voyez là, ça fait une semaine que je roule avec, il y a ces petits quelques gadins. Et là, à part là, il n'y a pratiquement pas de trace. Donc ça ne devrait pas durer, je vous rassure, parce que quand je vais commencer à prendre de l'assurance, je vais sûrement enlever la protection. Voilà. Voilà. Bon, bah, plus tard les gens.